Encore si me se pas vendant nos rues. Et parfois même ils sont en limousine. Ils sont experts dans les analyses, mais jamais tu ne les verras agir. Ils connaissent le problème, ils peuvent le résoudre, mais ils les enrichissent donc ils refusent. On les appelle le lit, crème de la crème. Oui, c'est eux qui décident, c'est eux qui dirigent. Ils sont jugés partis dans la gestion de la crise que même on crée donc ils l'empirent. C'est une vraie bande malhonnête. On t'avoue à votre intellect. Avec toutes vos études, vous n'avez pas appris à avoir de l'amour pour vos pays. Vous êtes amis au ministre qui enchaîne les bêtises, mais vous n'osez pas lui dire non. Monsieur Langsétude, monsieur je sais tout. Diplômé, pas plus disque qui ne sert à rien du tout. La honte sur vous, la vraie honte est sur vous. Mais oublie de dire qu'ailleurs c'est comme ça. Parce que des gens comme eux ont fait leur part. Le problème ici ce sont ceux qui savent. Les intellectuels oui c'est eux qui doivent agir, mais ils sont dans le bavardage. Donc la dictature continue le carnage. Dans les débats ils restent indécis. Les voix sont belles mais ne prennent pas parti. Le pouvoir a tort, l'opposition aussi. C'est avec ce genre de phrases qu'ils ont pris nos esprits. Les indignés du canapé, vous ne servez à rien comme la RTG. Avec toutes vos études, vous n'avez pas appris à avoir de l'amour pour vos pays. Vous êtes amis au ministre qui enchaîne les bêtises, mais vous n'osez pas lui dire non. Monsieur Langsétude, monsieur je sais tout. Diplômé, pas plus disque qui ne sert à rien du tout. La honte sur vous, la vraie honte est sur vous. Si le pays ne bouge pas, la honte est sur vous. Ouais, si le pays ne bouge pas, la honte est sur vous. La vraie honte, elle est sur vous. Pseudo-intellectuels. Ceux qui considèrent qu'eux, ils sont partis à l'école plus loin que nous. Qu'eux, ils sont diplômés Bac plus 10. Qu'eux, ils ont des masters. Qu'eux, ils connaissent le droit. Qu'eux, ils connaissent le légal. Qu'eux, ils savent ce qui doit être et ce qui ne doit pas être. Ceux qui sont en train de se considérer comme des pseudo-intellectuels en Guinée. La situation dans laquelle la Guinée se trouve aujourd'hui, ce ne sont que les conséquences de votre inaction, bande de malhonnêtes que vous êtes, tous et toutes. Tous et toutes. Que vous soyez du gouvernement ou de la société civile ou de l'opposition. Si vous considérez que vous êtes plus intelligent que la moyenne guinéenne, vous êtes les premiers responsables de ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Guinée parce que vous avez vu ça venir. Mais vous êtes contenté d'en parler dans vos salons. Vous avez vu ça venir. Mais vous êtes contenté d'en parler dans vos chicha lounge. Vous avez vu ça venir. Mais vous êtes contenté d'en parler au sortir d'une boîte de nuit. Et après, vous n'avez pas agi. Ce qui est en train de se passer en Guinée aujourd'hui, ce ne sont que les conséquences de votre inaction. La honte sur vous. La honte sur vous. Ayez honte de vous. Ayez honte de votre intelligence. Ayez honte de la bénédiction que vous avez eue d'être parti à l'école. Ayez honte de la bénédiction que vous avez eue de savoir lire les textes de loi. Ayez honte de la bénédiction que vous avez eue de pouvoir dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Parce que ça ne vous a servi à rien d'autre que de ne faire valoir vos personnes, vos propres personnes et rien d'autre. C'est quel intellectuel ça qui ne prend pas parti? Ça c'est quel intellectuel? Ça c'est quel intellectuel? Ça c'est quelle personne intelligente ça qui n'est pas capable de dire que ça là, ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bien. Arrêtez de le faire. Ça c'est quel intellectuel ça? Ça c'est quel intellectuel ça? Hein? Ça c'est quel militaire ça à qui on dit va tirer sur les gens et il va y tirer. Les gens qui achètent le sac de riz au même prix que lui, les gens qui payent le courant qui ne vient pas le même jour et au même prix que lui. Les gens qui payent l'eau qui ne vient pas le même jour et au même prix que lui. Ça, c'est quel genre de militaire, ça? C'est quel genre de militaire? C'est indigne de votre part. C'est indigne de votre part.
Au sortir de tout ça là, on va comprendre qu'en Guinée, au fait, on est tous des analphabètes. Parce que ce qu'ils appellent la majorité silencieuse, c'est faux. C'est la minorité hypocrite. Ce n'est pas une majorité silencieuse, c'est une minorité hypocrite. On est dans un pays à plus de 70% analphabètes, en train de se faire manipuler par, c'est-à-dire, les 10-15% qui ont à peu près un niveau intellectuel convenable. À peu près un niveau intellectuel convenable qui nous font tenir un débat ethnique. Ouais, c'est eux qui font ça. C'est eux qui font ça. Et ces gens-là, ils sont dans la politique, ces gens-là, ils sont dans la médecine, ces gens-là, ils sont dans la culture, ces gens-là, ils sont dans l'art en général, ces gens-là. C'est la honte de ce pays. Ils sont dans l'armée. C'est eux. C'est eux les premiers responsables de tout ce qui est en train de se passer en Guinée. C'est eux. C'est eux les premiers responsables de tout ce qui est. Quand vous vous levez et puis vous nous parlez de démocratie, vous dites non, c'est la démocratie, non, attendons, attendons les résultats de la CENI, attendons ci, attendons ça. Vous êtes malade, la CENI là, son nom de famille c'est Alpha. Arrêtez vos conneries. Le nom de famille de la CENI actuelle en Guinée c'est Alpha. C'est Alpha. Le président de la CENI, c'était un militant, sympathisant du RPG qui est devenu président de la CENI. Et vous pensez que lui, il va donner des résultats contraires à la volonté de Alpha? Le nom de famille de la CENI en Guinée, c'est Alpha. L'armée guinéenne, vous êtes en train de nous faire honte. Vous nous faites honte. État-major, armée de terre, armée de l'air, et police, vous nous faites honte. Vous nous faites honte. Honte à vous. La honte sur vous. La honte sur vous. Parce que vous êtes en train de tuer vos frères, vous êtes en train de tuer vos sœurs. La honte sur vous. La honte sur vous. La honte sur vous. Peu importe, c'est-à-dire le corps auquel vous appartenez, à partir du moment où l'État vous a donné une arme et que vous vous considérez qu'en vous donnant cette arme-là, l'État n'a fait que vous donner le permis de tuer, le droit de tuer. Mais de tuer qui? De tuer qui? La honte sur vous. La honte sur vous 100 fois. La honte sur vous 10 millions de fois. La honte sur vous 12 millions de fois. La honte sur vous pour chaque Guinéen qui est en train de mourir pour ça. La honte sur vous. Vous regardez les choses qui sont en train de se faire et après, non. Non, non. La honte sur vous. La honte sur vous. Le monsieur, il a gagné les élections. Il l'a démontré par A plus B. C'est lui, il a gagné les élections. Il a gagné les élections. Moi, je ne suis pas un parti. Je ne suis ni un sympathisant ni un militant de l'UFDG. Moi, je suis pour l'alternance. Je suis pour l'alternance. Et les personnes qui vont se lever pour dire que non, moi j'ai fait campagne pour Selou Dalé, non, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est faux. C'est faux, c'est faux, usage de faux. Vous êtes en train de jouer avec votre pseudo-intellect pour essayer de blaguer nos frères et sœurs guinéens qui ne sont pas allés à l'école. Non, Gianni Alpha, il dit ça parce qu'il est peul. Non, Gianni Alpha, il fait ci, il fait ça. La honte sur vous. La honte sur vous parce que vous n'avez plus, c'est-à-dire vous n'êtes plus à mesure, vous n'êtes plus capable de tenir un débat d'idées. Maintenant, vous voulez tenir un débat ethnique. La honte sur vous. La honte sur vous, tous et toutes autant que vous êtes. La honte sur vous. Et si vous croyez que, en faisant, c'est-à-dire en ayant certaines attitudes ou certains comportements, vous pouvez ébranler les gens qui sont droits dans leurs bottes, les gens qui sont là pour la Guinée, les gens qui sont là en train de se battre au nom de la Guinée, au nom de tous les Guinéens, vous avez menti. Vous avez menti, tous et toutes, tous les Guinéens que nous ne sommes que des anciens spermatozoïdes et des futurs cadavres. Ouais, nous sommes tous nés, c'est-à-dire nous avons tous naquis d'un spermatozoïde et nous allons tous finir cadavres. Aucun d'entre vous, aucun d'entre vous, aucun d'entre nous ne peut blaguer l'autre ici. Ouais, parce que peu importe ta croyance religieuse, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois athée, que tu sois animiste, demain, il y a une croyance devant laquelle tu vas répondre de tes actes et de tes responsabilités. C'est ça qui est la vérité, ça c'est au-delà de toutes nos ethnies, mon frère. Ouais, ça c'est au-delà de toutes nos ethnies. Donc, vos conneries dans quoi vous êtes là, nous on n'est pas dans ça. Nous on n'est pas dans ça. Nous on n'est pas dans ça. Vive l'alternance. Vive l'alternance. Vous avez tenu coûte que coûte à aller à une élection à laquelle vous n'étiez pas censé participer. Vous êtes parti à cette élection et vous l'avez perdue. Reconnaissez votre défaite. Soyez des hommes. Soyez dignes. Soyez guinéens. Soyez guinéens. Le guinéen n'est pas né pour être indigne, peu importe son ethnie. Le guinéen est né pour être digne. Soyez digne et reconnaissez que vous êtes battu avec quelqu'un et que la personne vous a frappé, que cette personne-là a été plus intelligente et plus maligne que vous. Reconnaissez ça et arrêtez de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages.
Arrêtez de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Quand vous allez dans les quartiers, canarder les gens qui sont là juste pour défendre leur voix. Juste pour défendre leur voix. Et vous vous contentez de barricader ces loups. Si vous êtes des garçons, allez tirer sur lui. Allez tirer sur lui. Arrêtez de vous contenter de barricader sa maison et de dire non, il ne sort pas d'ici. Non, arrêtez de faire ça. Vous savez, là où vous avez mis vos voitures là, il habite là-bas. C'est même pas 20 mètres. Allez le tuer ou allez l'attraper et mettez-le en prison. Pour trouble à l'ordre public, si vous estimez que c'est un trouble à l'ordre public. Allez lui faire ça, lui. Et laissez les enfants des gens tranquilles. Amour fucking l'en fait. Les gars, vous avez joué, vous avez perdu. Vous avez joué, vous avez perdu. Vous avez parié, vous avez misé tout ce que vous aviez et vous avez perdu. Vous avez perdu. Parce que le Guinéen vous a montré que l'amour du prochain, l'amour de la patrie est au-dessus de la haine que vous avez envie de cultiver en Guinée. Le Guinéen vous a montré ça. Vous avez joué, vous avez perdu. Assumez votre défaite. Assumez votre défaite. Et partez un homme digne. Parce que le Guinéen, il est digne. Même dans la défaite, le Guinéen, il est digne. Et arrêtez les conneries dans quoi vous êtes là. Arrêtez les conneries dans quoi vous êtes là. Arrêtez d'essayer d'instrumentaliser notre armée. Arrêtez d'instrumentaliser notre armée. 99,9% de l'armée guinéenne, c'est des gens qui ne sont pas allés à l'école. Et vous savez de quoi je parle. C'est des gens qui ne sont pas allés à l'école. C'est des gens qui ont été téléguidés, à qui on a expliqué que non, écoute, quand tu reçois des ordres, tu le fais. Et ils se comportent et ils agissent ainsi. Arrêtez de les instrumentaliser. Arrêtez de monter la population contre l'armée guinéenne et vice-versa. Et vice-versa, cette armée est républicaine, elle est censée être républicaine. Je vous ai dit au début du direct de me virer, c'est-à-dire tous les bêtes. C'est-à-dire toutes les personnes qui sont dépourvues d'intelligence, là, virez-les moi. Parce que le Guinéen, même s'il est analphabète aujourd'hui, il a appris à lire entre les lignes. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Koro, tu as joué, tu as perdu. Pars. Pars. RPG Arc-en-Ciel, vous avez joué, vous avez perdu. Le monsieur, il a été plus malin et plus intelligent que vous. Et l'alternance a gagné. Partez. Partez de manière digne. Partez de manière digne, respectez le pays, respectez les enfants de ce pays. Et arrêtez, vous avez participé à une élection à laquelle vous n'étiez pas censé participer. Pensant que vous êtes plus malin que tous les Guinéens, pensant que vous êtes plus averti, plus fort que tous les Guinéens, vous êtes allé à l'élection et vous l'avez perdu. Et vous l'avez perdu, mais assumez votre défaite. Assumez votre défaite, vive l'alternance. Vive l'alternance. Je répète encore, vive l'alternance. Le monsieur, il est allé à des élections avec vous et il vous a tapé dans les urnes, mon frère. Avec tous vos calaches et avec tous vos tanks, avec tout l'argent de la banque centrale et tout, le monsieur, il vous a tapé dans les urnes. Il vous a tapé dans les urnes parce qu'il a été plus averti et plus intelligent que vous. Donc, s'il vous plaît, laissez-nous évoluer. Laissez-nous passer à autre chose. Laissez-nous commencer un autre débat. Laissez-nous lancer notre mouvement. La promesse est une dette. Monsieur le Président, c'est Loudalin. Nous, on a récité votre programme par cœur. Vous nous avez dit que si vous êtes élu, vous allez nous unir et nous servir. Nous, on va lancer notre mouvement. La promesse est une dette. Vous allez nous unir et vous allez nous servir. Ça, c'est au-delà de toutes les ethnies. Au-delà de toutes les ethnies. Monsieur Seloudalin, à partir du moment où vous avez annoncé les résultats là, avec preuve à l'appui pour dire que c'est vous qui avez gagné ces élections-là, assumez ce que vous avez dit, monsieur le Président. Assumez ce que vous avez dit, parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous, toutes nos revendications, c'est vers vous qu'elles iront. Nous, on ne va plus jamais se plaindre de Alpha Condé. Moi, personnellement, je ne me plaindrai plus jamais de Alpha Condé. Je le considérerai toujours comme l'ancien président de la République de Guinée, parce que j'estime que l'alternance est en place. Ouais, mon problème d'unité nationale, c'est vers Seloudalin que je vais le rediriger. Mon problème d'eau, d'électricité, c'est vers Seloudalin que je vais le rediriger. Mon problème de l'amour ou de la haine de mon prochain, c'est vers Seloudalin que je vais le rediriger. Parce que moi, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps. J'ai écouté son programme. Je l'ai lu. Je l'ai lu. Donc, je le connais par cœur. Tu comprends? Donc, les imbécilités dans quoi les pseudo-intellectuels guinéens sont là, moi, je ne suis pas dans ça. Évoluons. Passons à autre chose. S'il vous plaît, laissez-moi me battre pour mon peuple tranquillement. Tranquillement, arrêtez vos conneries là, arrêtez de monter les Guinéens les uns contre les autres, arrêtez de monter l'armée guinéenne contre le peuple de Guinée. Et l'armée guinéenne, vous aussi, prenez vos responsabilités. Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué qu'à chaque fois vous on vous insulte? Vous n'êtes pas fatigué qu'à chaque fois on dit c'est vous qui êtes en train de nous tuer?
Mais pourquoi vous êtes obligé d'appliquer les ordres que vous-même vous trouvez illogiques? Illogique, vous-même, quand vous parlez entre vous, vous savez que ça là c'est illogique ce que vous êtes en train de faire, mais vous le faites quand même. Mais vous êtes quel genre d'homme? Mais vous êtes quel genre de Guinéen, vous? Vous êtes quel genre de Guinéen? Vous êtes quel genre de Guinéen? Hein? Quand les gens ils se lèvent, vous dites non, les observateurs de la CEDEAO, ils ont dit non, si, ils ont dit ça, ils ont dit ça. Entre nous autres pseudo-intellectuels guinéens, on sait que le monsieur Béanzin qui parle là, on sait qui il est. On sait qui il est. On sait au Bénin là-bas, c'est-à-dire son argent, il le gagne de quel investisseur béninois. Et on sait qui envoie le carburant en Guinée. Entre nous, pseudo-intellectuels guinéens, allons chercher l'information. Mais le monsieur Béanzin là au Bénin, il est qui? C'est qui l'investisseur qui est derrière lui? Et qui a le marché du carburant en Guinée? Allez chercher ça. Entre nous, pseudo-intellectuels. La Guinée est à plus de 70% analphabète. Arrêtons de monter les Guinéens les uns contre les autres. Parce que sinon, l'imbécilité, là, on est tous capables de faire ça. On peut tous faire ça. Faire les cons, on peut tous faire ça. Quand les gens ils se lèvent pour dire non, les peuls, ils sont ethno, nanani, nanana. Quel peul n'a pas dansé sur la chanson Mandjou de Salif Keita? Quel peul n'a pas dansé sur ça? Quel peul ne connaît pas cette chanson-là par cœur? Mandjou, Ikana Kansi. André Touré, Kanakasi, quel peul ne connaît pas cette chanson-là? Quel peul ne connaît pas cette chanson-là? Hein? Quel malinqué ne connaît pas? Yo, Kodo, baby, djerelele. Quel malinqué ne connaît pas cette chanson-là? Ah ouais, dans la chanson djerelele, les malinqués qui refusent de traduire, ceux qui ont compris ce qu'il a dit dedans et qui refusent de traduire aux autres là, dans la chanson-là, il y a une phrase, le gars il dit, Kombobi laïfou d'auto konyama. Ça, c'est le paragraphe le plus important de la chanson. Kombobi laïfou. C'est ça qui est la vérité. So come on, arrêtez vos conneries quoi en fait. Arrêtez vos conneries et sortez de nos quartiers. Sortez de nos quartiers. Sortez de nos quartiers. Arrêtez de tuer nos frères. Arrêtez de tuer nos sœurs. L'armée guinéenne, soyez républicain. Refusez les ordres qu'on est en train de vous donner là. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous aussi, vos familles sont dans les quartiers. Il ne faut pas oublier que vous là, vous venez du quartier. Vous étiez d'abord dans le quartier avant de rentrer dans l'armée. Et vous n'êtes pas tombé du ciel pour rentrer dans l'armée. Donc les ordres à deux balles qu'on est en train de vous donner là, arrêtez de les exécuter parce que vous-même vous savez que ce n'est pas normal. Arrêtez de tirer sur les enfants des gens. Arrêtez de tirer sur les enfants des gens. Arrêtez vos conneries là. Arrêtez vos conneries là. Respectez le Guinéen parce que le Guinéen vous respecte. Respectez le Guinéen parce que le Guinéen vous respecte. Tu comprends? Comme disait Takana Zayon, c'est-à-dire, c'est ça. Vous avez essayé d'intimider les enfants jusqu'à maintenant. Les enfants, ils vous osent, quoi. C'est ça. C'est-à-dire, dans votre semblant d'autorité, vous avez essayé d'effrayer les enfants jusqu'à maintenant. Les enfants n'ont plus peur de vous. Maintenant, les enfants sont capables de vous affronter. C'est ça. Et vous, vous estimez que vous êtes plus fort que les enfants. Pourquoi? Parce que vous avez la balle de l'État. Vous avez le permis de tuer au nom de l'État. Donc, les pseudo-intellectuels là qui sont en train de donner les ordres à deux balles là, vous êtes les premiers responsables de tous les assassinats qui sont en train de se passer dans les quartiers en ce moment en Guinée. Donne ta voix, ne donne pas ta vie. Et depuis quand en Guinée, on écoute la voix? Depuis quand? En Guinée, on n'écoute pas les voix, on prend des vies, point barre. N'importe quelle personne qui a envie de gouverner en Guinée, il veut gouverner par la haine, c'est ça le problème. En montant les Guinéens les uns contre les autres, donc Guinéens, assumez-vous. Assumez-vous et arrêtez vos conneries là. Arrêtez de rester dans vos salons là, c'est-à-dire à faire vos... Non, moi je ne me mêle pas de la politique. Non, moi je suis apolitique. Non, moi c'est ci, moi c'est ça. La politique est au cœur de ta vie, mon frère. La politique, elle est au cœur de ta vie. C'est la politique qui décide de quelle manière ton enfant va aller à l'école. C'est la politique qui décide qu'est-ce que ton enfant va manger. C'est la politique qui décide comment tu vas éduquer ton enfant. C'est la politique qui décide à quoi ton enfant a droit et à quoi il n'a pas droit. C'est quoi le droit et le devoir de ton enfant? Donc arrêtez vos conneries de dire que vous ne vous mêlez pas de la politique là. Vous ne vous mêlez pas de la politique parce que vous êtes des poltrons. Des poltrons vous êtes. Vous êtes des révolutionnaires du canapé. C'est-à-dire vous restez dans votre salon et puis vous faites des commentaires. Quand Gianni Alpha fait un poste, vous dites « Ah, tu as vu, lui il est ethno ».
C'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait. C'est ça. Assumez-vous. Assumez-vous. Soyez des hommes. Soyez des hommes. Soyez des hommes. Toutes les personnes, où que vous soyez aujourd'hui, qui êtes en train de vous battre pour l'alternance en Guinée, qui est en train de vous battre pour la victoire de l'alternance, sachez que vous êtes en train de faire exactement ce que vous devez faire et exactement au moment où vous devez le faire. Si aujourd'hui on doit perdre nos vies ou nos privilèges, nos pseudo-privilèges de tous les jours pour ça, les gars, perdons-les. Perdons-les parce que la Guinée vaut mieux que ça. Nous, on va tous mourir. La Guinée va nous survivre. Comme je vous ai dit, nous sommes tous et toutes des anciens spermatozoïdes et des futurs cadavres. Retenez bien, anciens spermatozoïdes et futurs cadavres. Il n'y a pas d'ethnie là-bas. Tous et toutes autant que nous sommes, mon frère. Nous sommes nés d'un spermatozoïde et nous allons finir cadavres. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Mais entre-temps là maintenant, là, entre-temps, c'est ce que tu vas faire là. C'est ce que tu vas faire là, entre-temps. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Tu es né du spermatozoïde de qui? Ça là, mon frère, tu ne peux pas le décider. Tu vas mourir de la faim de la main de qui? Ou de quelle faim ou de quelle manière? Ça, tu ne peux pas décider. Mais comment tu vas vivre? Ça, tu peux décider. C'est ce que le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala appelle le libre arbitre. C'est toi qui décides de ça. Ça, c'est toi qui décides de ça. Tu comprends? Ton attitude n'a pas d'ethnie. Ton comportement n'a pas d'ethnie. Ton raisonnement n'a pas d'ethnie. C'est propre à toi. Ça n'appartient qu'à ta personne. Ça n'appartient qu'à ta personne. Ça n'appartient pas à ton ethnie. Ça n'appartient qu'à ta personne. Mais n'oublie pas, tu es né d'un spermatozoïde. Et ton spermatozoïde duquel tu es né là, il n'a pas d'ethnie. Et tu vas mourir cadavre. Et un cadavre n'a pas d'ethnie. Mon frère, tu vas finir cadavre, je voulais dire. Et ça n'a pas d'ethnie. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Entre temps là, tu as le choix. Tu veux combattre la dictature ou tu veux être un lâche en te cachant derrière une ethnie. Ça, c'est toi qui vois. Ça, c'est toi qui vois. Et tu veux justifier ta lâcheté en disant non, les autres, ils sont en train de faire ça parce qu'ils sont de telle ethnie. Ça, c'est toi qui vois. Ça, c'est ta lâcheté personnelle. C'est à toi que ça appartient. Ça, c'est à toi que ça appartient. Moi, personnellement, à partir d'aujourd'hui, instant T où je suis là, je considère que Alpha Condé n'est pas mon président. Le gouvernement guinéen, ce n'est pas mon gouvernement. Voilà. L'alternance a donné ses résultats. Nous, on est allé voter. On n'est pas allé voter pour Selou Dalain. Nous, on a voté pour l'alternance. On a voté contre la dictature. C'était ça notre vote. Nous, on a voté contre la dictature. C'est contre la dictature que nous autres, nous avons voté. Voilà. Ntorma, tu as fait une erreur. Je ne sais pas qui t'a conseillé, mais tu as fait une erreur. Tu ne devais pas aller à ces élections-là. Tu ne devais pas aller à ces élections-là, Ntorma. Tu ne devais pas aller à ces élections-là. Moi, j'aurais voulu que tu sois le premier ancien président, c'est-à-dire vivant de la Guinée, mais vivant dans le respect. La case de Bellevue, ce n'est pas une propriété d'État. L'État paye le loyer parce que ça n'appartient pas à l'État, ça appartient à la famille de Sékou Touré. On doit leur payer le loyer, peu importe qui doit être président. Ça, c'est la maison de Sékou Touré. Tu comprends? Mais j'aurais voulu que l'État décide que okay, cette maison-là, ça sera la maison de notre ancien président. Que tu vives là et que tu donnes des conseils. Et les gens qui sont dans le gouvernement aujourd'hui, qui sont en train de supporter cette forfaiture, qui sont en train de supporter cette malédiction, qui sont en train de supporter cette barbarie, c'est parce que vous n'avez pas confiance à votre intellect. Vous êtes juste en train de vous dire, c'est vrai, je n'ai pas le niveau. Si le pouvoir la quitte, je ne pourrai plus travailler en Guinée. Vous manquez de confiance en vous, les gars. Ça, c'est aux membres du gouvernement. Vous manquez de confiance en vous. Donc, vous voulez rester à gérer la Guinée par la division. Sinon, franchement, vous devriez être du côté du bon côté de l'histoire, du côté de la démocratie. Et de dire, de toute façon, moi, je sais que j'ai suffisamment étudié. Si c'est économie que j'ai fait, si c'est travaux publics que j'ai fait, si c'est télécom que j'ai fait, si c'est management que j'ai fait, si c'est droit que j'ai fait, je sais que moi, j'ai suffisamment étudié pour que n'importe quel président qui viendra en Guinée,
aient besoin de mes services. Parce que j'ai pris le temps de me former. C'est ça qui est la vérité. Mais vous ne le faites pas. Parce que vous savez que vous êtes incompétents. Donc vous voulez maintenir les Guinéens dans la misère. Que les Guinéens continuent de subir votre incompétence. La honte sur vous. La honte sur vous. La honte sur vous. Shame on you. La honte sur vous. La honte sur vous. Vous devriez avoir honte de vos femmes et de vos enfants. La honte sur vous. Vous êtes en train d'apprendre à vos enfants, c'est-à-dire de s'imposer aux autres sur le mensonge. C'est ça. Donc tous les Guinéens qui ont voté pour l'alternance, qui sont convaincus qu'ils ont voté pour l'alternance, toute ethnie confondue, restez derrière les résultats de l'alternance. Voilà, restez derrière les résultats de l'alternance. Ça, c'était mon message personnel à mes compatriotes guinéens. Maintenant, la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union africaine, la CDAO, sachez que vous êtes complices de tout ce qui est en train de se passer en Guinée. Les intellectuels africains, sachez que vous êtes complices de tout ce qui est en train de se passer en Guinée. Votre inaction, votre refus d'expression, vous êtes complices de tout ce qui est en train de se passer en Guinée. Chaque personne qui est en train de mourir en Guinée parce que la personne s'est levée pour défendre son droit, la personne s'est levée pour faire valoir sa voix et vous restez muet sur ça. Vous êtes complice de son meurtre. Si vous ne répondrez pas ici, vous répondrez là-haut. Les Nations Unies, l'Union africaine et la CDAO et tous les gouvernements, en particulier de l'Afrique de l'Ouest et en général de l'Afrique et du monde, vous êtes complice de ce qui est en train de se passer en Guinée. Quand on tue des enfants de 14 ans dans les quartiers, des enfants qui n'ont même pas le droit de vote, qu'on les tue pour des élections, vous êtes complice. Vous êtes complice. Ouais. Quand ça va péter après là, ne venez pas derrière nous dire que non, vous allez essayer de jouer au pompier pyromane parce qu'il sera trop tard. La Guinée, c'est pas le Rwanda. Si vous devez agir, vous agissez maintenant. Ou vous la fermez à jamais et vous laissez entre nous. Ouais, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, au nouveau président, M. Sélou Dalein Diallo, président de l'alternance, les Guinéens ont voté pour vous élire. Les Guinéens sont en train de se battre dans les rues pour défendre leur vote. Monsieur le président, faites quelque chose. Faites quelque chose, monsieur le président. Faites quelque chose. Ça, c'est ma première réclamation, monsieur le président. Les Guinéens se sont battus pour vous élire. Les Guinéens sont en train de mourir dans la rue pour défendre leur vote. Monsieur le président, faites quelque chose. Faites quelque chose. Prenez vos responsabilités de président et faites quelque chose. Et faites-le maintenant. Faites-le maintenant parce que nous, en Guinée, on n'a pas le temps, c'est-à-dire de ce pseudo-complot ethnique-là. Nous, on n'a pas le temps pour ça. Nous, on veut que la Guinée avance. Monsieur le Président, Sélou Dalein Diallo, les Guinéens ont voté pour vous élire. Vous êtes sorti dans les médias et vous avez dit aux Guinéens que vous êtes conscient du vote qu'ils ont fait et que vous avez gagné les élections. Monsieur le Président, faites quelque chose. On est en train de tuer votre population dans la rue. Donc faites quelque chose pour que ça s'arrête. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire à tous et à toutes ce soir. Dassoussab, si la Guinée est une famille, soyons une famille solidaire. Si on est vraiment une famille solidaire. Soyons une famille unie. Soyons une famille solide. Si c'est vrai qu'on est vraiment une famille là, soyons une famille solidaire. Dans tous les sens du terme, soyons une famille solidaire.